à tous et bienvenue pour ce journal des salons enregistré sur le salon Learning Technology 2024 avec nous Françoise Gérard. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes directrice générale adjointe de Centre Info. Alors Centre Info, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un organisme semi-public expert en matière de formation. Oui, c'est une association qui existe depuis 40 ans et qui, depuis 40 ans, est la référence des professionnels de la formation des adultes au départ, des jeunes et des adultes maintenant, en matière de formation initiale, continue, apprentissage, mais aussi orientation. Et notre mission, notre rôle, c'est d'observer, de décrypter, d'expliquer à tous les professionnels ce qui est parfois un peu compliqué dans la formation. Non, vous êtes l'expert conseil de tous les pros de la formation. Alors, vous êtes ici au salon Learning Technology, au plein cœur des innovations. Pourquoi Centre Info vient voir ? C'est de la veille sur les innovations ? Oui, notre premier travail, notre première mission, c'est de veiller. C'est d'être en alerte et un peu en avant-garde, je dirais, par rapport à tous les professionnels. Donc, il est bien normal, bien évident que nous soyons ici dans ce salon qui est très technologique. L'innovation n'est pas que technologique, mais c'est très intéressant de voir comment des acteurs un peu traditionnels de la formation, mais aussi des nouveaux, des start-up, peuvent utiliser ces technologies pour la formation. Alors justement, on parle de métavers, on parle d'intelligence artificielle, digitalisation, de réalité virtuelle. On voit apparaître plein de start-up. Ça change radicalement tout le contexte de la création de l'ingénierie pédagogique aujourd'hui en France. Comment Centre Info accompagne ce mouvement ? Alors, il y a toujours un engouement de tout le monde pour ce qui est très technologique. On a l'impression que ça va complètement révolutionner la formation. Et après, on s'aperçoit que ben, voilà, c'est une technique comme une autre et qu'il faut toujours de l'ingénierie, il faut toujours maîtriser les objectifs de la formation. Donc, ça ne révolutionne pas complètement. Néanmoins, les start-up en formation, c'est vrai que ça a été très intéressant parce qu'on a vu arriver des personnes souvent jeunes qui travaillent de façon rapide, agile. Il y a un problème, ils ont une méthode de résolution de problèmes. Et ils sont arrivés dans la formation en proposant des solutions qui étaient des résolutions de problèmes et ils se sont heurtés parfois justement à la complexité de tout ce qui est réglementaire. On n'entre pas dans la formation comme ça. Donc nous, on a, de ce point de vue-là, Centre Info a voulu étudier un peu comment se côtoyer les start-up et les acteurs, les organismes de formation plus traditionnels. Qui sont eux-mêmes de grands organismes, les universités d'un côté, les grands groupes d'écoles privées. C'est compliqué pour les start-up de rentrer sur ces marchés. Voilà, et souvent, ces grands groupes ont compris tout l'intérêt des start-up d'une réflexion rapide, agile et d'une solution apportée rapidement. Et ils ont pris des start-up sous leur aile. Mais ceux qui ne sont pas, ont plus de mal. Alors, nous, à Centre Info, on a créé un corner de l'innovation et on accompagne 16 start-up qui sont toutes dans le champ de la formation, de l'orientation, du coaching, mais parfois de l'organisation de l'espace pour le travail. Et on regarde comment elles travaillent. Elles nous apportent aussi des solutions pour résoudre des choses qu'on a dans notre travail, nos produits. Et ça crée aussi, j'imagine, des synergies entre ces start-up. Centre Info devient aussi un laboratoire de l'innovation. On essaye. Alors, peut-être pas de l'innovation, mais en tout cas, un laboratoire, là aussi, de recueil d'idées, de compréhension de la façon dont on peut rapprocher, justement, les start-up et les acteurs de Alors, je sais que vous avez visité un petit peu le salon, mais voilà, on parle d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle, de digitalisation depuis de nombreuses années. Quelle est l'innovation qui vous marque le plus ? Est-ce que c'est l'arrivée de l'IA pour vous ? C'est une vraie révolution ? Alors là, je viens d'arriver au salon. Oui. Je n'ai pas fait tout le tour encore. Mais en effet, l'arrivée de l'intelligence artificielle nous interpelle tous. Parce que dans tous nos métiers, et donc dans nos métiers de la formation aussi, parce que précisément, on s'aperçoit qu'on arrive à faire des cours en intelligence artificielle, on crée des ressources pédagogiques, et donc on se demande est-ce qu'on pourrait faire tout par l'intelligence artificielle.
Bon, on l'a regardé. Pour l'instant, on n'est pas nous-mêmes encore rentrés dans l'intelligence artificielle, mais notre presse en a pas mal parlé. Ce qu'il convient de dire, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas encore assez au point pour qu'on lui laisse les rênes complètement. Et en revanche, ça peut être très utile pour, je dirais, pour faciliter des tâches un peu récurrentes, mais il faut toujours être quand même très expert de son domaine pour vérifier ce qui est fait et on n'a pas une intelligence artificielle qui remplisse complètement, en tout cas qui va remplacer un formateur. Voilà. On est en début d'année. Pour vous, quels sont les grands enjeux de la formation dans l'année qui vient ? Alors, je pense que, en effet, cette question d'intelligence artificielle et de formation va être un grand enjeu. Il y a 2 ans, on était complètement dans le métaverse. Finalement, ouais. Le métaverse n'a pas eu le développement, l'amplitude dans la formation, en tout cas, qu'on lui avait prévu. Je pense qu'il en sera différemment pour l'intelligence artificielle parce que c'est un changement plus profond. Donc, l'intelligence artificielle, comment est-elle utilisée en formation ? Oui, par les formateurs, par les publics qui sont en formation. Ça, c'est une grande question. Après, en formation, eh bien, nous attendons aussi des changements réglementaires. Nous attendons oui, comment encadrer l'intelligence artificielle dans la formation ? Mais ça, c'est toute votre expertise. Nous, on va regarder comment ça se passe. On va décrypter. Nous-mêmes, nous n'encadrerons pas. Mais en effet, je pense que ce sera... Alors, du côté des praticiens, ce sera la grande question de l'année. Du côté de la réglementation que nous suivons aussi pour le droit, nous attendons des négociations pour les transitions. Et donc, ce sera une autre grande affaire de l'année 2024. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, vous mettre en relation avec Centre Info, un site internet centre-info.fr. Merci infiniment, Françoise Gérard. Merci, Jérôme. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.